Voilà, donc bonjour la rue. Ça c'est moi, toi, salut, ouais. Coucou. Oh, t'as rien, il manque plus dedans. Bonjour. Il manque plus dedans. Avec la boîte de prod, on avait dit d'arracher les poils. Voilà, c'est pas mal, hein. J'aime bien les petits trucs de la blogue, la blogue aussi, c'est très joli. Oh, c'est vraiment elle croit que de toute façon, effectivement, je bluffe un peu le directeur, je le connais. Ah mais c'est en devenir hétéro. Arrête.
déchaîner. C'est ça. Quoi. Déchaîner, ouais. Déchaîner la lumière, ouais. Déchaîner la lumière à soi aussi. C'est ça. Ça dépend pour qui. On peut aussi se déchaîner la lumière. Voilà, c'est ça. Tu as l'air d'être un passionné de la lumière. Déchaînant la lumière et puis aussi une autre. Le mode de diffusion, c'est quoi? Le mode de diffusion, quoi? On va comme ça dans la rue, en plein hiver. Ah, ça c'est un travail qui a été fait avec David Lartigue. C'est une expérimentale. Et c'est quelle technique, ça? Et ça, c'est la vidéo. Mais c'est ce qu'on peut appeler le travail sur image, en fait de la 3D ou quoi? C'est fabriqué? Il y a de la 3D, ou c'est filmé? C'est fabriqué. C'est fabriqué, hein. C'est ça. C'est filmé et fabriqué en même temps. D'accord. C'est quoi? C'est la plus petite télévision au monde, c'est ça? Ah ouais, c'est le commencement, l'éducation au berceau. D'accord. T'as perdu ta mine? Quelle mine? Non, j'ai pas perdu ma mine. T'as mauvaise mine, je trouve. J'ai le travail, c'est trépanation, trépaloum. C'est ça. J'ai hors de question. Le travail est à la vie, ce que le pétrole est à la mer. Complètement. C'est des gens du Nord. Non, je la connais pas. Vous ne la connaissez point? Ça y est. Allez. Les gens du Nord ont dans les yeux le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Les gens du Nord. Non, je la sens mal. Ah, tu la sens mal, celle-là? Ont dans le cœur. J'ai serré si souvent pour un enfant. Maintenant, le temps d'une chance. Et là, ça brûle à 22. Cet homme est sur mes reins, la chemise de souffle. Je ne puis l'arracher sans m'arracher la peau. Que dis-je? Il est la chair et je suis le ripo. Des diffusions d'internet directement sur la façade. Vous êtes un habitant du quartier? Oui. Ça vous embête un peu ce genre de choses? Non, non. L'air de fournier, là. Pas du tout. Non, ça vous plaît? Oui, ça me plaît, ça. Ça sert à quoi? Ouais. Ben, ça sert à attirer le regard, ça change, ça attise la curiosité aussi, parce qu'on peut se demander d'où viennent ces films, qui c'est qui les a faits, voilà. Non, mais le truc, c'est que la nouveauté, moi, ça me fait chier, personnellement, tu vois, je veux dire, tous ces gens qui prétendent faire des nouveaux trucs. Bon, alors évidemment, diffuser des images sur les fenêtres, moi, je vois pas à quoi ça sert, à part pour les gens qui y habitent à l'intérieur, ça va. Mais non, j'aime bien que ça soit passé dans la rue, je crois que c'est drôle. J'aime bien, c'est joli, quoi, toutes ces images contre le mur des maisons. Pour une fois que c'est pas à l'intérieur des maisons, dans un petit écran, mais dans la rue, où tout le monde peut sortir et à la limite crier, manifester. Pourquoi pas, donc. C'est en même temps la nuit et la lumière, ou ce soir? C'est pas que c'est bien, c'est l'alternative. Bah alors? Alors là-bas, c'est très beau, c'est très original. Ouais. Ça m'a étouffé parce que vraiment, on s'attendait pas à ça. Bon, c'est peut-être intéressant. Bon, nous maintenant, on a un peu des trous noirs. Tu vois, alors je sais pas si c'est dans le cerveau ou sur les immeubles, mais bon, après quelques verres, je me demande où sont les trous noirs. Pardon? Tu diffuses ton film? Je projette des diapos. C'est ça, là. Non, moi, j'ai prêté les locaux, c'est tout. Vrai, c'est vrai. Voilà. En fait, je présente une vidéo. Ouais. Projetée contre le mur. Oui, je fais une vidéo. Ouais. Qui sera projetée un certain moment là-bas. Ouais. À faire en sorte que la lumière qui s'exprime sera moins soviétique que ce qu'on disait. Oh oui, si le noir obscur nous entoure, on peut recréer une intensité lumineuse.